En cette année 2021 qui s'annonce tout aussi troublée que la précédente, mais en tout cas nous allons fêter eh bien, un anniversaire, puisque c'est le 400e anniversaire de sa naissance. Et je voulais partager avec vous une petite promenade autour de des liens qu'il a entretenus avec la musique, des liens très forts, comme vous allez le voir, mais aussi très compliqué, puisqu'il a, alors au-delà des fables, toute sa production, finalement, a été jalonnée de plusieurs essais de collaboration avec des musiciens. Et il a toujours essayé de se rapprocher de un peu ce Graal pour certains auteurs dramatiques de cette époque, qui était l'opéra, donc qui est né, comme vous le savez sans doute, au début des années 1670, inventé, pour aller rapidement, par Jean-Baptiste Lully et Philippe Quinault.